Pas cette affaire-là. Ah, oh, je t'en ai. Y a-tu des trucs de beauté qu'on pourrait bien avoir et qui pourraient fonctionner pour une fois? Ben oui, Eliane Diquet. Je m'en vais te voir à Longueuil. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'étape de ta vie où tu étais skieuse professionnelle et l'étape où tu es maintenant vlogueuse, on pourrait dire, quand même relativement connue parce que tu fais partie des top filles de 2015 là, qu'on devait connaître? Ah, ben merci. Ben écoute, c'est passé plein de choses. Je me suis blessée pour commencer. C'est ce qui a mis un terme à ma carrière de ski. Je me suis déchirée des ligaments. J'ai aussi des commotions cérébrales. Puis ça m'a un peu forcée à me réorienter et à retourner à l'école parce que, comme tu sais, j'avais fini mon secondaire. J'avais pas encore commencé mon cégep, j'avais pris une année sabbatique, mais je me suis dit, bon, là, étant donné que le ski, ça fonctionne pas, les Olympiques, j'ai mis une croix là-dessus. Donc, je suis retournée à l'école. Quand tu as commencé tes vidéos, j'imagine que tu n'as pas voulu le crier à tout le monde que tu avais fait un vidéo et que tu étais rendue vlogueuse. Ah, comment ça a commencé? Je ne l'ai pas dit au départ, mais pas du tout. J'avais un copain dans le temps, puis j'habitais avec ma sœur en appartement. Puis elle croyait que je pratiquais mes oraux pour l'école, à l'université, parce que j'étais dans ma chambre, elle m'entendait parler de ça. Elle était comme, qu'est-ce que tu fais? Je pratique un oral. Puis ça a commencé comme ça, j'étais un peu gênée. Puis j'ai juste mis la vidéo en ligne la première fois. Puis tu sais, c'est sûr que dans les premières semaines, il n'y a pas eu tant d'engouement, là, parce que c'est quand même dur de percer au départ. Là. Nos vidéos se perdent un peu dans la panoplie de vidéos. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, là. C'est incroyable. Il y a 300 minutes de vidéos qui est téléchargées par seconde sur YouTube. En général, là, c'est beaucoup! Ouais, c'est énorme. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé pour que mes premières vidéos finissent par être vues. Probablement qu'il y a quelqu'un qui les a partagées, qui avait beaucoup de vues elle-même. Tu as été quand même sous une bonne étoile pour ces vidéos-là parce qu'on le sait, c'est un milieu qui est super difficile à percer. Ça prend beaucoup de patience, de persévérance, ouais. Et toi, ça a été en croissance assez rapidement. Mais je pense que c'est un tout être sur YouTube. Ça prend, oui, beaucoup de passion. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus de travail que je croyais. Tu sais, ça a l'air super simple. On parle devant une caméra, mais il y a tout le côté du montage que j'avais jamais fait avant. J'avais jamais ouvert de logiciel de montage avant. J'ai tout appris un peu sur le tas, là, comme on peut dire. Eliane, ce qu'on peut voir fréquemment sur ta chaîne YouTube, c'est que dernièrement, tu as parlé, une de tes dernières vidéos, sur l'alimentation saine, sur la pression sociale qu'on peut ressentir à vouloir être mince, à vouloir être belle, à vouloir avoir la silhouette parfaite. À quel point c'est important pour toi? Bien, en fait, tout a parti un petit peu d'une vidéo que j'ai faite sur un trouble que moi, j'avais développé. Je voulais lancer ça comme un espèce de signal d'alarme pour les plus jeunes, parce que je sais que sur YouTube, il y a beaucoup de jeunes. Puis je me dis, tant qu'avoir cette plateforme-là, aussi bien répandre des messages qui sont quand même intéressants. Oui, je m'intéresse à la beauté, au maquillage, aux trucs plus superficiels, mais à la base, je trouve que mon message doit vraiment toujours rester d'être authentique et de s'aimer soi-même, peu importe qu'on aime le maquillage ou non, tu sais, ou que notre silhouette soit celle d'une mannequin ou non. Donc, j'essaie vraiment de me servir de ça pour juste partager mes opinions. Puis encourager les jeunes à ne pas s'enligner dans des diètes quand ils sont super jeunes, parce que je l'ai vécu moi-même et je trouve que les répercussions ont été tellement nocives dans ma vie que je me dis, si je peux au moins aligner ces filles-là vers la bonne voie, ben j'aurais fait ma job, là, même si c'est un peu cliché de dire ça. Bien, merci Liane, puis j'espère que tu vas continuer à faire la différence. Ça a été une année exceptionnelle pour Eliane Diquet. On lui souhaite tout le succès pour 2016 et on lui souhaite de faire encore la différence pour plusieurs jeunes filles de ce monde.